de Paris et notamment entre Grigny et Chilly-Mazarin. On termine avec un bon plan carburant partagé ce matin par Julie, auditrice essonienne, qui nous indique que le litre de gasoil est affiché à 1,16€ au Intermarché de Longpont-sur-Orge. C'était l'Infotrafic Évasion. Si vous constatez un incident sur la route, accident, bouchon, radar, contactez la ligne Trafic Évasion au 0972 10 11 60. Préférez le 2, les bronzés font du ski, qui disent que c'était beaucoup plus drôle. C'était différent. Quoi qu'il en soit, on va passer un bon moment. Oui, tu m'étonnes. On est bien d'accord avec des répliques devenues cultes, des personnages forts. Je sais pas si tu en as un préféré. Moi, c'était Jean-Claude Duss. Le loser. Mais alors, on peut pas faire pire. Le célibataire qui n'arrive jamais à conclure. En même temps, vu comment il s'y prend, c'est compliqué. Vous nous êtes fidèles chaque jour pour la musique, l'info, les proximités. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour nous écouter. Désormais, nous vous retrouvons aussi en DAB+. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Alors n'attendez plus, un poste DAB+. En voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+. إذاعة الشرق. لأجل لبنان. Vous pouvez écouter Radio Orient sur internet www.radioorient.com. Radio Orient à Lyon, 106.7 FM. Et le guichet, et ce au moins jusqu'à 11h minimum. Des bus de remplacement ont été mis en place entre Orsay et Massy. La course à la mairie de Paris a donc repris. Cédric Villani, candidat crédité de près de 8% des voix au premier tour des élections municipales, est très courtisé. Il a été reçu hier par Anne Hidalgo. Il serait également toujours en discussion avec l'équipe de la candidate LREM Agnès Buzyn.